Bonjour VOD, nous sommes sur Stray. Très longtemps, Stray longtemps après la dernière fois où on a joué. Oh oui, j'étais là. J'espère qu'il va être fluide, il n'y a pas de décalage avec ma tronche, voilà, j'ai toujours des soucis un petit peu en ce moment. J'espère que tout ira bien. On était dans une sorte d'entrepôt, fallait qu'on passe. Et le truc, c'est qu'il y a des robots, drones et tout ça qui nous repéraient, c'était un petit peu chiant. Je m'en rappelle plus trop, du coup il va falloir que je me rappelle des patterns des robots et que je me rappelle aussi les touches en même temps. Ah, j'ai miaulé. Voilà, ça c'était par exemple, c'était pile poil le truc qu'il fallait pas faire. Voilà. C'était pile poil le bon truc qu'il fallait pas que je fasse. Salut petit Lix. Ah mais y a pas, c'est pas encore Cult of the Lamb. Un chat avec un sac à dos. Oui. Vous entendez bien le son du jeu? C'est important, faut que vous entendiez tous les miaulements. Si vous entendez pas les miaulements, c'est pas bien. Tant que je miaule, il va rester là, donc je vais arrêter. Eh, enfin, Malandilis, comment tu vas? J'ai pas trouvé mon dernier joueur pour ma partie, je crois. Oui, demain, ce sera Mario Party. Avec Anaelia et Antemonia. Et du coup, j'ai pas le dernier joueur. Je sais que Jox lundi, voilà, il m'avait prévenu de toute façon, il me l'a dit, il peut pas. Mais Trapil m'a pas dit. Mais bon, au pire, on fera 4-3. Mais je vais envoyer un message à Trapil pour lui demander. Trapil, je sais qu'il regarde pas spécialement trop le multicredit. Très souvent, il est. Faut lui expliquer. Yeah. Ouh. Et il est très très âgé. Voilà. Alors, c'était ici que c'était un petit peu chiant. Ah oui, puis à chaque fois, faut que je lui parle à lui pour qu'il me redonne sa quête parce qu'il cherche des clés, je crois. Et quittez-moi, oui, c'est ça. Oh, j'avais des voix de robot. Une. Je vais en faire juste une. Voilà. Je vais la faire, genre. Ouais, c'est ça. Attendez, je fais quoi de robot? Un petit peu comme ça. Ça, c'est du. Je voulais quelque chose de plus. Plus aigu. Voilà, comme ça. Vous savez pas mal. Mais un petit... ici, je mets un peu d'autotune. C'est de l'horreur. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. Bonjour, comment allez-vous? Les voix de robots n'aiment pas les voix graves. Un peu fort, non? Je ne parlais pas trop fort. Ok, c'est bon, j'ai mes deux voix de robots. Ça va peut-être être un peu un sup. C'est la voix d'un portal, exactement. je les ai retrouvées les clés? Non, pas du tout. Ultime provoque, je monte dessus. Il y avait quoi à faire, je me rappelle plus. Ah oui, et là j'étais obligée de faire le tour, c'est ça. Parce que le truc revient en place. En place. Ah ouais, là c'était ça. J'aimerais bien lui parler au type. Il bouge pas. Oui, le robot il bouge pas de toute façon. Je peux pas. Ok. Faut passer là. Très bien. Et après. Et donc après que c'était chiant. Ah mais ça continue! J'ai plus de place. Oh tu peux peur, il est trop pipou. J'entends un sifflement quand je parle, je vous jure. Hein.
J'espère que c'est juste dans mon retour. Ah ! J'avais pas vu qu'ils étaient de ce côté-là ! Ah ! Ah ! Aide-moi ! Caché. J'ai un berger. Ouais, j'ai eu un réflexe de mettre quelque part, mais... Ah bah ça, ça aurait été mieux, ça. Oh, mais je pourrais... Ok, non mais je comprends trop ce qui va se passer. Par contre, je voudrais quand même essayer de lui parler à lui. Ah, c'est pas la meilleure idée que j'ai eue. Bon. Sentiment. Mais il y a un robot juste là, il me voit pas. Ah, je suis trop loin. Non, je sais pas. Très bien. Faudrait que je descende en fait. Je regarde si je peux descendre maintenant pour pouvoir accomplir la quête du petit gars. Là, je peux pas. Peut-être que si je vais là. Je suis encore plus haute. Je vois pas en quoi ça va m'aider. Non, bah c'est peut-être. Ah si, c'est peut-être là. Je peux descendre. Ouais, non, ça semble être la pire idée. Ever. Ok, je vais passer. On verra pour les clés de l'autre. Ah, l'origine du laser, c'est bien de ce côté-là, parce que sinon, ça m'aide pas. Oui. Le pied du robot, il y avait un truc. Ah, j'ai pas fait gaffe. Attends, je vais regarder. Et ça, un petit passage là. Ah merde, faut que j'arrête de murer. Même pas me frotter à ces gambettes. C'était là que tu disais Fernalou ou c'était un autre robot? Je veux pas louper des trucs, moi. Non, c'est lui, ok. Ouais, je vois pas grand chose là. Je pouvais monter là, c'est peut-être ça. Ouais, c'est peut-être que t'avais une petite interaction ici, t'as pas eu le temps de voir ce que c'était. Oui, ça doit être ça. Allez, let's go. Merci pour la perte de temps, c'est super. Anaf. Ah, d'accord. Fantastique ça. Bon, je sais pas si ça va m'être très utile en vrai parce que... Tourner, ça m'arrange pas du tout. Faut que je prenne une caisse qui est là. Donc faut que je monte. Donc je vais chercher ça. Non mais miaule pas. Juste fais du... Non. Ah c'est X, c'est pas A. Voilà.
Avant, je fouille un peu quand même. Et tout à fait. Y'a rien d'autre à trouver ? Ouais, je miaule au meuble. Au cas où ça... On sait jamais. Ouh là là, j'étais très proche, j'avais pas vu. Si je vais sur celui-ci, ça désactive ou pas ? On va servir du carré, même si je sais pas trop comment. Ah, t'avances plus ! Ah mince, je pensais qu'il pourrait passer. Venez, Nini. Reste là, toi. Et ici, y a quoi ? Et là, il y a une affaire. Quand il est bas, est-ce qu'il y a un truc à faire ? Je vais regarder. Direction assistée dans les barils. Ah, pas de direction tout court. Non mais je pensais que je pouvais un peu tourner le truc quand même. Ah oui, là il descend encore un peu plus bas. Est-ce que je peux tout péter avec en prenant de l'élan ? On va tester. J'y crois moyen. Hein. Là, je... c'est la méthode à la Lox. Je sais pas si le jeu il a prévu ça. En plus, on peut même pas aller très vite. Beaucoup beaucoup d'élan, vraiment pour rien du tout. Bon, après j'ai juste à m'asseoir sur l'autre, on va voir ce que ça fait. Hein. Ah, attention, prends ça. Explosion. Ok. Et c'est quoi ça déjà? C'est une pile? Mais c'est une très belle pile. Bon, il part très très vite. Ok. Envoyer robot, il n'y avait pas des fonctionnalités comme ça. Ça fait un mois que j'ai pas joué, alors je me rappelle pas du tout. Ah, je peux éclairer. Bah, ça, c'est bien. Voilà qui. Voilà qui résout tous mes soucis. Par contre, j'aimerais bien ne plus éclairer. Par contre, j'ai peut-être des trucs. Ah non, j'ai des souvenirs et j'ai rien dans l'inventaire. Je vais voir si je peux pas prendre un truc là-bas. Ça va être un petit peu lourd, je pense. Un tout petit peu. Prendre une brique. C'est pas une brique, c'est du lait. De la vide. Il a réagi tout à l'heure, il avait pas réagi. Ah non, pas du tout, c'est le robot qui réagit. Non, c'est le robot tueur. Enfin oui, c'est que des robots, donc ça veut rien dire ce que je dis, mais c'est le robot tueur qui réagit. Ok, ok, ok. Non. Non, non, non. Mince, je fais que me tromper. J'ai l'impression que le premier robot a changé un truc où tu l'as placé. Ah bah si si. Je vais te montrer. Pas normalement. Hein.
Ah ouais. Ah oui, d'accord, ouais, ça fait pas le même truc, t'as raison. Oh, bah dis donc. Ça fait pas le même truc. Et si maintenant je me mets là? Ah ouais, ok. C'est très risqué, mais je vais tester un truc. Ça bouge pas. Ah. Allez, avance. Ah, il avance plus. Oh non. Je pensais trop pouvoir avoir le jeu. D'accord. Et si maintenant je fais que ces deux-là? Oh non, c'est ça que j'avais fait tout à l'heure. Et si maintenant je fais celui-là, celui-là? Et celui-là, j'enlève. Non mais... Ah oui, c'est vrai que c'est l'autre côté. Maintenant, si je le mets là, lui. Ah oui, ça fait pas grand chose, oui. Si ça. Ouais, ça ouvre en fait. Mais ça remonte très vite. D'accord, soit. Ouais, ok. Ça, c'est le truc qui ouvre la porte. Ça, c'est le truc qui fut des trucs avec des tuyaux. Et ça, ça permet d'abaisser. En gros, c'est ce que je comprends. Il y en a peut-être un qui m'arrange plus que les autres après. Mais Je ne sais pas. Digombini a dit nuit. Bah, le tonneau, le problème, c'est que je peux pas le tourner. Le tonneau, j'ai essayé dès le départ, mais je peux. Il veut pas que je le tourne. Je vais le remettre là, je vais essayer de le passer là où il y avait un creux. Mais ça me semblait petit par rapport à la taille du tonneau. Mais j'avoue, ça semblerait logique. Ouais, non, en fait, c'est complètement ça. Incroyable. Au revoir, Farnalou. Oh mais oh! Pourquoi ça a tout lagué? C'était affreux! Je vais avoir un boss. Mais je peux pas me battre. Ça va être chaud du coup. Je vais boire un coup. Okay. Il faut ramener sa pile à Clémentine. Ok. Où est Clémentine? Bah je peux aller là. Incroyable, ça c'est trop bien. Par contre, mais... non mais je voulais aider le copain qui avait perdu ses clés moi. Mais j'ai jamais pu atteindre le bas. On va voir ça peut-être plus tard. Mais j'ai peur de le louper là quand même. Mais on est d'accord, j'ai essayé plein de fois, je pouvais pas descendre. Alors je sais pas trop. Peut-être que c'était au tout début. Salut Morfufu! Voilà, je pense que de toute façon c'est trop tard. Je sais pas ce que je fais. Je panique un peu là. Faut qu'on fuit! Fuyons! Mais avant, discutons un petit peu! Alors j'avais fait cette voix. Désolé, hein. J'espère que c'est pas trop affreux.
Je te dis 5 fois, Josh. On ne peut pas courir partout comme ça. C'est dangereux. Et c'est la première fois que je vois ce genre de robot. Ça a l'air trop doux. Non, et c'est la première fois. Voilà, c'était plutôt ça. Hey, bisou. Oh, Minou, oui. Regarde comment il est trop pipou, Minou. Alors, faut que je fuis. Oh, toi, je t'ai parlé? Le doc. Oh, pile. Ah, d'accord, il parle pas beaucoup. Faut que je fuis par où? Je sais pas par où je dois aller. C'est tout fermé, c'est tout fermé. Bon, on va courir. Tu peux pas m'aider, toi? Ah, je peux pas parler aux gamins. J'adore leur trouve ce qu'il faut quand je miaule. Oh. Je peux pas le faire tomber, lui. Il a trébuché, mais c'est pas grave, ça me suffit. Par où je peux m'enfuir? Moi, j'aimais bien la ville de base. Cette ville, je l'aime pas trop. Je veux retourner dans l'autre ville. Ou dans l'arbre. Ça, c'était sympa, dans l'arbre. Allez, les robots. Oh, ça va, il me calcule pas. Oh là là! Il y a des drones ici! Il y avait pas des drones ici! Avant, il y avait nos copains, les rappeurs, là! Oh non, non, j'ai miaulé! C'est un réflexe, je le fais tout le temps. Enfin, comme le chat, quoi. Non, 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 ils vont me buter, ils vont me buter, ils vont me buter, ils vont me buter! Caché. Oh, je croyais trop l'avoir réussi. Pour le jeu qu'on fera tout à l'heure. Oh, j'ai eu trop peur. Non! Oh non, je suis morte dans un carton, merde! J'avais fait tout ça! Mais lol! Et j'esquive, je suis un chat! Agile! T'as là un chat. Attaque, désolé, mais pas de soucis, mais c'est adorable de contribuer, enfin! Avec les points de tienne. Bon, ok. Bon, j'ai compris par où c'était. Maintenant, faut que j'arrête de me faire repérer par les drones. Soit on y va en mode YOLO, on court tout le temps. Mais dans ce cas-là, on court tout le temps. Ça marchait bien. Soit j'y vais doucement. Et comme ça, on a le temps de voir le chemin qu'il faut que je prenne. Et on panique pas. Un chat agile. Qui... Mais faut que j'arrête de miauler aussi dans le vide. Ça, c'est mon côté félin, ça. Il était par là tout à l'heure. Ah, il est là. Oh, mais il va avancer celui-ci, non? Quoique là, il a pas. Là, par exemple, il me voit pas, là. Il a pas la portée. Mais comment je. Comme ça? Oh, c'était super idée, ça. Non, mais je m'en fous, je cours. Arrête plus. Ah! Caché. Descendre, hein. Il y avait quoi ici déjà? M'en fous. Fais-moi la paix.
Le côté miauleuse, ouais, avec ça. Il y a trop beau qu'il te voit entrer dans un carton. Mais non, t'as disparu. Mais où est-il? Non, mais ils sont pas programmés pour fouiller dans des cartons avec leur pied là. Pourquoi je vais là en fait? C'était. Il y avait quoi ici? Pourquoi je suis venue ici? Enfin, je suis venue ici parce que. Ça donnait l'impression qu'il fallait que j'aille là. Il y avait du monde, voilà. Mais il y avait pas. Il y avait l'habitation de quelqu'un. Et je sais plus où c'était. Il nous a aidés. Bordel, c'était où? On n'a pas de map hein, dans le jeu. Non, on n'a pas de map. Par contre, lui, il me saoule, faudrait qu'il tourne sa teuté là. Regardez, elle vient tout le temps. Non, je me cache. Ah, il est bugué en fait. Il bougera pas. Enfin, il est bugué, je sais pas, mais en tout cas, il bougera pas. Regardez, il fait pareil. Non, c'est bon. Il me fait des feintes. Ça peut me feinter. Je me mets là. En vrai, il me voit pas. Je me mets là. Yes. Bravo, la meuf. C'est pas ici qu'il y avait quelqu'un qui habitait? Ou alors c'est à l'étage? Il y a quelqu'un qui nous a aidés. Super. Non, comment il m'a vu? Je suis trop discrète, bordel. Ah, c'est là. Waouh. Et où? Attends, j'ai miaulé direct alors qu'il y avait un robot, putain. Ah, mais il m'a juste vu par la fenêtre. Mais oui, ok. Bon, mes copains. Hein. Oh, je vais faire mes griffes. Ah oui. Oh, j'ai pu ouvrir ça. Ça va me servir pour escalader, j'imagine. Oui. Oh, waouh! Tout un monde au-dessus des étagères. Oh, c'est l'heure du moment dodo. Avec une petite musique sympa qui fait bien. Est-ce qu'il y a des dessins partis au jaune? Non, c'était pas ça! Dodo time, exactement. Le PSG vient de mettre 1 à 7 à Lille, les pauvres. Comment ça, ils ont mis 1 but face à 7, le PSG, ou ils ont mis 7 buts face à 1? Carton pour achat, c'est comme la couette. Quand t'es petit, c'est un bouclier. Donc tu sors pas tes pieds de la couette, ça va. Ligne 1, PSG 7. Ok, d'accord. Allez, c'est l'heure de revenir à la réalité. C'était la petite instant sieste. Oh, c'est dur, le petit chat. J'entends des bruits dans ma cuisine, mais moi, j'ai pas de chat. J'imagine que c'est les commandes. Alors. Bah du coup j'ai rien d'autre à faire ici en fait, c'était juste pour avoir ce petit moment là, ce petit instant en contemplation. Mais j'avais des amis ici en fait à la base. Il y a plus personne. Bah si voilà, c'était Clémentine qui habitait ici. Oh, elle est où Clémentine? Nina, comment Nina? En tout cas, il y a un gros 1 là. Enfin, 11, mais on voit que un 1. Il y aura peut-être un code à trouver quelque part. Ah, ça fait 30 ans que j'ai pas joué au jeu, du coup, je me rappelle plus ma progression. J'ai trouvé une pile et je sais même plus à qui je devais la donner. Cet appartement est fort sympathique.
Oh, ça m'a servi à rien de venir ici, quoi. Enfin, si, à faire une petite sieste. Y'a pas un message qu'elle m'a laissé? Non, même pas. Bon, bah, on va être obligé de partir par là où on est venu, hein. Merde! Je vais descendre. Et puis en... En courant, je vais pas crever parce que j'ai essayé de faire ça en YOLO. Je vais parler au robot, je vais essayer de voir ce qu'il raconte. Restez calme, une opération de recherche est en cours. Restez calme, une opération de recherche est en cours. Restez calme. Il va pouvoir nous empêcher de rester dans notre bureau. Je crois que la criminelle, on veut ma collection de cartes anciennes. C'est affreux, je suis désolée. J'arrête. Tout ce travail pour rien. Mais comment ça, la criminelle, elle est où la criminelle? Dites-moi. Je lui fais que rapper. Vous volez notre spot, ne vous verrez pas nos mouvements. Vous volerez pas, mon gros. Faut que je parle au bar, peut-être, ouais. À mes moutes. Technologie bien avancée, ça. Bordel, je sais plus à qui je dois parler. Par où je dois aller? Ça m'énerve, je comprends pas. Là je peux pas, là je peux pas. J'aimerais bien que mon petit robot me parle, mais je sais plus comment lui parler. Ah bah tiens, je vais montrer, tiens. T'as enfin trouvé la pile atomique? Ça a l'air vraiment puissant, n'est-ce pas? Oui, d'accord, ça a l'air puissant, mais... Je me rappelle qu'un gars nous avait aidé à rentrer. Je vais peut-être essayer de le retrouver, mais je sais plus où il était. Et il est tombé. Ah. On est allé au magasin de vêtements, je m'en rappelle. Ouais, non. Agaçant. Ah oui, il m'avait fait rentrer par là, je crois. Pas du tout, hein. Traduire, je peux traduire ça. J'avais déjà fait ça, non? Mort aux sentinelles, longue vie aux extérioristes. Tu regardais ma VOD de la dernière fois. Oh, t'es plus productif. Ah voilà, il m'avait fait rentrer par là. Et là, il est plus là. Salut Rémi. Non petit, tu peux pas jouer par ici. Le Cinécocorp n'est pas un endroit pour une petite boule de poil comme toi. L'accès est interdit, mais seulement pour quelques temps. Tu peux patienter quelques années, ça ouvrira bientôt. Oh, c'est mignon. Mais ça m'aide pas. Arrivé par là, je crois, hein. J'étais arrivé par où? Oh, c'est insupportable. Ah bah c'était par ici, punaise. Oh là là, j'avais pas vu, désolé, hein, vu que je m'en rappelais pas. J'étais persuadée qu'il fallait que je donne la pile à quelqu'un, mais j'imagine que ce sera dans l'arbre. J'ai une motion tacroyo.
Ils m'aident pas, mais ils sont incroyaux. Là-haut. Ah, mais je peux plus monter. Oui, je peux pas repasser par là, du coup. À moins que je trouve un... Bah non, mais là, je peux pas. On est là, par contre. Vraiment pas. Ah. Ah, mais c'est la pile, il fallait qu'on la mette là. Compliqué. Neko Corporation. Comme ça, on fait marcher le métro. On va prendre le métro! Oh, trop bien! Utiliser quoi? Utiliser métro. Ah, il me faut un objet? Il me faut quoi encore? Magasin, ça! Et il manque toujours un truc. À moins que je le trouve quelque part, il me faut une carte en gros, une carte d'accès quoi. Ouais, et là je vais la trouver comment ? Non, ne va pas sur les rails. Attendez, je peux pas traduire un truc ici. Être fermé pour cause de bande annulée, ne pas rentrer, toute violation au règlement peut entraîner une lourde peine de prison. C'est tout. Ça me donne pas beaucoup d'infos. Est-ce qu'il faut que j'aille voir quelqu'un maintenant que j'ai mis en marche le métro? Sûrement, hein. J'ai aucune idée de qui, mais... Enfin, surtout de où est la personne, mais je pense qu'il faut. Quand même fouiller un peu le métro au cas où il n'y a pas un truc qui est resté dedans. Oh, trop marrant. Je crois que c'est une ref à Half-Life. À l'intro d'Half-Life qui est dans un train. Que j'adore! Cette intro est dingue. Tu veux pas m'aider toi, robot à la con là? Tu me donnes aucune info. C'est pas sympa. Il est chaleureux le chapitre de ce jeu. Ça va de plus en plus loin, vous êtes déchaînés. Ah, je m'étais pas frotté à lui. Ah, il parle pas à lui. Bah faut que je trouve une carte, j'imagine. Ça va être pas simple, hein. On me donne aucune info. Attention, 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 tu vas tomber. Attention, on a fait une nouvelle. Ouais, où est-ce que je pourrais trouver un truc de métro? Poudre. Est-ce qu'un marchand m'a vendu une batterie défectueuse toujours? Ah non, il fait semblant de pas m'entendre. Est-ce que je peux lui parler? Oh, il a l'air tout défectueux. Ah non, mais il va pas bien le robot là. Il est complètement dead. Espèce de fou. IDOC. 24-58 IDOC. Ah, il est là-bas le IDOC. Ah ouais, c'est un docteur.
Oh, mais si je vais le voir, il va me repousser. Non. Non, mais je vais lui parler. Je fais les touches, je fais A par réflexe et c'est pas A. Non, j'ai pas de document. Va voir sous la chapelle, Lux. Arrête d'essayer de placer tes jeux de mots dans des contextes où il n'y a pas lieu d'être. Mais j'avoue, c'est rigolo. 24-58, idoc. Bah, le truc, c'est que... Ok. Avant de partir, j'aurais peut-être pu faire ça d'abord. 24-58, c'est pas ça? 24-58, idoc. En plus, il y avait écrit le doc, c'était pas idoc. C'est bien, très bien, il va falloir trouver un autre code. Idoc. Qu'est-ce que je peux faire avec cette info? C'est un véritable challenge. Mais je veux pas monter. Prochain, il monte, je veux pas. Idoc. Je vais faire mes dégages. Ça, la danse a du sens. Fermez là, je vous déteste tellement. Idoc, c'est code à l'envers. Ah, j'avoue, j'avais même pas pensé à Idoc. En fait, je cherchais quelqu'un qui s'appelait Idoc. Et oui, c'est code à l'envers. Essaye le code en verlan. Putain, j'aurais dû y penser, ça. Il était où? Il était là. Mais oui, mais c'est logique, en fait, ce que vous dites. Bravo! J'ai enfin un badge! J'ai un badge de chat! Regardez, il est là mon petit badge! Vous pensez que maintenant je peux l'utiliser pour le métro? On va tester hein. Moi je voulais aider le gars qui avait l'air tout pas bien le robot. C'est un chat racaille. Pas de ce côté-là. Mais énerve, toujours pas ça. Passe navigo pour chat. Écoute, y a que des robots et des chats maintenant. On adapte à sa clientèle, quoi. Bon. Il y avait rien d'autre, hein. Je vais vérifier quand même. J'ai un petit objet. Je vais demander au robot. Ouais, non. Aucun objet. Comment ça, aucun objet? Tu me dis que je viens d'avoir un pass.
ça me saoule. Ça me saoule de pas savoir où aller et de pas pouvoir demander à un PNJ en fait. De pas pouvoir se rappeler de ce que je devais faire. Bah tiens, on va se rappeler d'ailleurs. Ça me fait un souvenir en plus. Les sentinelles, elles étaient censées protéger les gens, lutter contre le crime et œuvrer au maintien de l'ordre. Mais quand la vie a commencé à devenir rude et que les groupes se sont rebellés, les sentinelles sont vite devenues les chiens de garde du pouvoir. C'était l'outil parfait pour garder la ville sous contrôle, docile, disciplinée, infatigable. Même après la fin des humains, elles ont contribué à exercer leur contrôle. Continuez, pardon. Toujours de service. Impitoyable. Oula, je peux plus ça, désolé. Des os. J'ai pété un câble. Je me rappelle plus. Ok, j'ai un pass Navigo pour chat. Qu'est-ce que j'en fous? Ah, il a plus de batterie. On voit, il y a écrit pile vide. Ça t'en fait beaucoup de souvenirs? Ah ouais, je sais pas. Je me rappelle de rien. J'ai des souvenirs et je me rappelle de rien. C'est fou, hein. Il m'a servi à quoi de trouver ce pass là, ce badge, ce truc? Il m'a servi à R. Et je parlais à ça. Moi, je parle pas en fait. Ouais. Vérifier maintenant que j'ai un pass, je me suis dit ça va peut-être déclencher un truc que dalle évidemment. Escalader un peu, hein. Et prendre de la hauteur. Même si ça va pas beaucoup m'aider. Un pass Navi Pago. Tu peux rentrer dans le métro, mais il part pas. J'ai pas d'objet en fait. Il me dit vous avez un objet, c'est pas vrai. Je vais parler à lui, putain. Je peux pas monter sur les petites cabines téléphoniques. Enfin, les petits téléphones. J'ai rien pour ta taille, désolé. Que des déceptions. Ça prendra là tous. Bon, j'ai fait toute la ville en large et en travers là. Internet, ils disent il y a 7 badges. De quoi? Oui, oui, mais ça, c'est des objets de collection. J'en avais déjà un de l'autre côté. Oui, oui, oui. Mais je pense qu'il faut que je trouve quand même quelque chose, mais me dis pas quelque chose. Je pense qu'il faut que je trouve quand même quelque chose en plus pour pouvoir activer le métro, mais je vais retourner, on va voir. On m'a déjà parlé.
Oui. Retourne au métro, on va voir. On va essayer de prendre le métro avec, parce que j'ai compris qu'après que c'était un truc de collection. Quand j'ai vu qu'il n'y avait aucune interaction. Mais bon, vu que j'avais l'impression que c'était ça qui manquait une sorte de badge, quand j'ai trouvé un badge, je me suis dit « Ah bah c'est ça !» Mais en fait non. En fait, il n'y en a du tout. Et pas de chagrin. Bah si, là je suis un peu charpoint même. On va retourner au métro, on va voir. J'aime bien que mon robot il me parle en fait, c'est très chiant. Il me dit rien, il veut rien, il me parle pas. Il me donne aucun tips. Ah si, c'est bon. Il faut trouver Clémentine, d'accord. Ok, mais ça je veux bien, mais j'ai cherché hein. Et à son appart, on a rien vu. Bon, s'il faut trouver Clémentine, on va chercher Clémentine alors. Clémentine, hein. Ok. Je pouvais plus la... T'as une batterie atomique. Tout à fait, je l'ai posée. C'est pour ça que le micro est en marche. Le micro, le métro. Mais voilà, je trouvais plus la touche pour demander à mon robot, mais j'ai demandé où je trouve Clémentine. Je pense qu'elle est là où il y a toutes les sentinelles. C'est juste qu'on l'a pas trouvé. On a trouvé son appartement, il était vide. Mais il y a un autre truc qu'il faut qu'on trouve. Non mais... Oui, on a compris, Florian, mais je ne le dis pas. En fait, je vais trouver. Je veux pas qu'on me dise tout le jeu, sinon ça n'a pas d'intérêt. Le spoil, c'est pas que pour Game of Thrones. Hein. C'est aussi dans les jeux vidéo. Non, puisque je connais Pitou, les termes anglais, il n'y a pas forcément... Mais je vais le dire, moi. Bah, si tu fais ça, t'es ban. Simplement. C'est pas ce qu'on veut dans la vie. Alors. Normal, c'est une Clémentine. Clémentine, hein. Compliqué. Vous voyez le chat, vous connaissez Trapil. Bon bah imaginez, Pitou, c'est ça en 5 fois pire niveau compréhension. Bon, je vais essayer de les esquiver. Ouais quand même, ah oui je déconne pas. Pêche aujourd'hui, j'ai fait une découverte bien dégueulasse dans l'eau. Ah oui? Qu'est-ce que c'était? Ça me fait un peu peur. Mais j'avoue que ma curiosité a été éveillée. Je parle très bien anglais, je sais. Non, je suis cachée. Non. Voilà. Je vais chercher ici encore un petit peu. Je me sens bien ici. Y a personne qui va me tuer. Alors.
Alors. Hein ? Un truc s'est allumé ? Là, j'en ai marre. Ah, mais il y a le PC ! Je peux interagir avec ? Ah, panneau d'indice ! Mais oui, j'avais pas vu. Aucun signe de Clémentine. Oh, qu'est-ce que c'est ? On dirait une sorte de message codé. On va devoir jouer au détective pour découvrir ce qui est arrivé. Regarde. À l'attention de B12 et du chat. La réponse est dans mes affaires. Et puis il y a 4 symboles. C'est signé Clémentine. Regarde. Il n'y a qu'un symbole. Alors, attendez. Ok. On va regarder de plus près. Même si j'ai eu l'impression de reconnaître des trucs. On peut pas zoomer ? Si, voilà. Ok, donc il faut que j'ouvre la boîte. Il faut que je trouve des sortes de cristaux. Un truc de poterie, peut-être. Et la lampe à lave. Bon, c'est ça. Ça, c'est le premier, ça. Les capteurs ne peuvent détecter que les produits chimiques inoffensifs à l'état gazeux. Ils ne peuvent créer la sensation d'apaisement dont je me souviens. Comme moi, les compagnons n'ont pas d'odorat, alors je me demande pourquoi ils font ça. Je sais un message caché sur le récipient. Il est écrit « Je suis avec ». D'accord. J'ai oublié ce que c'était. Ah oui, des sortes de cristaux. On va chercher des sortes de cristaux. Ah non, ça c'est un deuxième. Un troisième. Ah, ça ressemble à des cristaux, mais c'est peut-être pas ça. Hein. C'est comme ça que j'interprète. Moi j'ai le bras long, monsieur. En bagne, je signale le compte de Lox parce qu'elle fait des pubs arnaques pour le CP. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Oh là là. Non, s'il spoil d'abord, c'est un Théo. Et après, s'il récidive, c'est un bagne. Inspectez, c'est ça. Cette aine de valeur moyenne est d'une pureté faible. La brillance semble avoir été rajoutée artificiellement. Elle sert peut-être de guide pour vous aider à trouver quelque chose d'utile. Bingo ! Et un message. Blazer. Je suis avec Blazer. Ensuite, c'était du coup la dame au... Ouais. La dame au chapeau. Un drôle de truc à mettre dans un appartement. C'est ainsi que les compagnons voient les humains. Ça serait marrant. Regarde, on a laissé quelque chose. Venez au. Ok, je suis chez Blazer, venez au. Et après, bah, c'est une lampe à lave, mais il y en a plusieurs, je crois. Tout va bien, petit Pital. Don't cry. Je pouvais interagir avec l'écran. Non, mais j'ai pas besoin. Une lampe à lave, mais le problème, c'est qu'il y en a pas mal. Donc on va faire le tour. Là, je peux pas monter, donc celle-là, déjà, niette. Yes, of course. Ah, tu connais bien l'anglais, c'est vrai. Il est trop fort. Yes, yes. Ah, j'ai vu une vidéo comme ça il y a pas longtemps. Faudrait que je te l'envoie, putain. D'un gars qui a interviewé en anglais, c'est un français en Angleterre, je crois. Moi, je sais pas, en fait. En tout cas, c'est un supporter de... J'imagine que c'était par rapport au foot. Complètement, oui, parce que ça parle même... oui, ça parle de l'équipe de France, il me semble. Et elle lui pose des questions ultra basiques et il sort des... Yes, of course. Yes. Des trucs vraiment...
J'ai adoré. Ah, c'est là-haut. Je l'avais pas vu. Voilà, avec des petits cœurs. J'ignore totalement ce que c'est avec Sabrine et c'est un peu envoûtant. Désolée, j'étais absent. Je n'avais même pas remarqué ce message. Il est écrit club. Faut qu'on aille au club. Ok, let's go. Hey, Blazer, venez au club. Le club, on s'en doutait qu'il faudrait qu'on y rentre. Maintenant, il va falloir trouver comment. Parce qu'il y a un fucking vigile devant qui n'aime pas les chats. Alors que bordel, un chat veut rentrer dans ton club. Et tu... accueille à bras ouverts. Je veux dire, c'est... entrée gratuite pour les chats, normalement, le vendredi. Particulier en ce moment, moi. Je barre un coup. I can play football with something with you, little cat. Oui, voilà, c'était ça dans la vidéo dont je parlais. Il est trop fort. Bon, ok, le club. Il était où? Ah bah là il y a des gens devant, les danseurs évidemment. Ah si. Plus que le vitaire ne s'entraîne. Les gars, je pense qu'il va encore falloir qu'on grimpe par l'arrière. Cette petite sel. Pardon. Danger, niveau de groove à 2%. Faut trouver un spot de danse immédiatement. Oui, donc derrière il y a une entrée par laquelle je peux passer si j'escalade. Bah let's go. Regardez, des petits boutons. Hey! Salut mon brave, pourquoi tu viens plus? Hey, tu viens plus aux soirées là? C'est complètement une référence à Ocarina of Time, je crois. Legend, vous êtes là Ocarina of Time. Il me semble qu'on a une... qu'il faut qu'on grimpe voir une copine et elle se balance ses jambes comme ça, si je dis pas de conneries. Hein. Je surinterprète peut-être, mais il me semble qu'elle balance ses quatre. Et sur là tout pareil, elle dit « Hey, monte pour me rejoindre !» Je suis interprète peut-être, mais un délire comme ça en tout cas. Donc ça m'étonnerait pas que ce soit une rêve. Ça m'étonnerait pas que ce soit moi qui délire. Les deux sont extrêmement probables. Merveilleux, regardez-moi cette petite beauté. Oula, attention avec cette expression. Petite expression. Et là, ok. Le club. Ah! Ça doit être là. Oh, je passe. Bah, par le tuyau. Genre là. Salut, comment t'es monté ici? Parfait. Allez, on viendra un coup. Je savais que j'attirerais du monde là. Oh le club tout pété. Oh là là. Il y a zéro ambiance dans ce club. Bordel, il y avait plus. Oh, dans le boisson bizarre. Sérieux? Je peux bourrer la gueule de mon chat. Ah non, je pensais. Ça me faisait rire à l'imaginer. J'ai même pas le temps de visiter, attends, je veux remonter moi. Non parce que je sens que c'est la suite par là, mais on va visiter quand même. Le chat en fait c'est l'inspecteur Minou. Mais tout à fait. Et son acolyte, Mister Robot. On va visiter un petit peu. Il y a quand même plus d'ambiance dans le magasin de chapeaux. Et salut tout le monde! Ici Gigi Maki, que la fête commence!
C'est la première chanson demandée par notre ami, plus que de la blaster. Tu fais la puce? Ah, c'est un DJ de camping, hein. Les robots, ils sont pas très bons DJ, ça c'est... Un buzzer à gauche, un buzzer à droite, ouais d'accord, ça fait des folies quoi. Oh, par contre j'adore son masque! Enfin son truc. Et mon masque, c'est moi qui l'ai fait, mais ouais! Un beau scan des sentinelles, il est trop cool. Oh, mais j'adore! Regardez le masque de fou là! Je suis fan. Oh, y a un enfant. Et un supplément pour avoir les pas de danse du soir auprès du videur. C'est lui qui programme les hologrammes sur son temps libre. Ok. Le balcon VIP est fermé. C'est réservé à des affaires privées en ce moment. Un certain blazer qui est réservé. Ah, c'est tout là-haut. Ok. Bon, on va. Du coup, on va faire un petit tour là. Et on va voir. Et bisous, bisous! À demain! Passez une très bonne soirée. Allô? Et maintenant? Je peux me rappeler ici. Quand j'étais humain, mes amis et moi, nous rassemblions pour faire la fête toute la nuit, quitte à en subir les conséquences le lendemain matin. Pas dit d'autre, pas dit bien. Ça faisait du bien d'éprouver de la joie malgré nos conditions d'existence invivables. Ces conditions n'ont fait que devenir de plus en plus sordides sous la surface. Comme la vie des capitalistes d'entreprise que Négova et l'état politique créé par les sentinelles. Maintenant, je me souviens pourquoi on faisait ça. Alors, on danse. C'était juste pour un souvenir en fait, c'était pas du tout la suite. J'étais persuadée que c'était la suite, du coup je vais pas y aller. Ah si, peut-être bien, regardez ça. Voilà, une porte fermée. Je peux même pas jouer avec ça là, comme n'importe quel chat ferait. Histoire de tout défoncer. Pas réaliste. Bah pour le coup, pas réaliste. Bon bah je me tire. Eh bébé Venise ! Comment ça va ? Bon. Bah très bien. Le truc c'est que... C'est que je sais pas comment accéder au balcon. Mais bon j'imagine qu'il faut que j'escalade du coup. On va voir les hologrammes un petit peu. En faisant tout tomber, ça me plaît bien. Music Club, ça c'est vrai. Ils m'ont éjecté. J'ai volé ce levier juste pour déconner. Il m'offre à boire. Même ce stupide levier. Mais j'ai à boire, j'ai trouvé une boisson bizarre. Merci mon ami. Bien comme promis. Mais merci beaucoup enfin, salut Trip. Trop mon beau. T'es où le levier? Ah, je peux monter là. Très bien. C'est joli. Et sans comment. Le fou le levier. Oh, il y a un levier là. Rigolo. Ok. En fait, ça remonte tout seul au bout d'un moment, j'ai l'impression. Ouais, complètement. Un gros bouton rouge.
d'accord, ça fait ça. Ah, je me suis dit, mon écran, il est noir. What is that? Qu'est-ce qui se passe? Il s'en va, Blazer, c'est ça? Ça m'arrange pas. Reste là, bro. Ah non, d'accord, j'ai pas assez modifié les trucs. On se dépêche. Je teste comme ça, on va voir. Ça passe, ça passe. Bonjour. Je vais faire tomber le verre avant. Voilà. On te dit un excellent poisson avec des antinelles. Je comprends pas, hein, si on en reprend. Moi, je sais pas, ils m'ont jamais rien fait. Par contre, les petits drones là, eux, je les aime pas. Une foutue migraine. Est-ce que tu as bien bu de l'eau aujourd'hui? Bien, j'en bois. Attendez, je vais faire sa voix. Une pierre de coup. Tu n'es pas aussi malin que ton arrière, le chaton. Enfin, je t'en veux pas. Les affaires sont les affaires. Trop méchant. C'est trop mieux comme ça. Oh, je sais pas. Et les affaires, c'est de l'argent. Et pour moi, l'argent a plus de valeur que l'amitié ou la camaraderie. Parce que je suis le méchant. Et vous, vous êtes les gentils. Je suis le méchant qui veut tuer la gentille. Je suis tellement méchant, je fais mal à des chats. Genre, si c'était pas sûr, lui, je pense qu'il est pas sympa. Migraine ophtalmique. Ah ouais! Faudrait que je coupe les écrans. Alors un truc, les petites lunettes qu'on avait achetées, c'était Razer. C'est pas miraculeux, pour ça, faut pas croire. Mais la vente... tâche que ça, on avait remarqué ça, j'avais remarqué ça pendant que je faisais mon mémoire où je passais mon temps sur des feuilles blanches, sur un écran quoi, en fait, sur des écrans blancs du coup, c'est que ça va pas forcément enlever la migraine, mais ça va permettre, enfin, ça permet de calmer un peu le truc et d'empêcher que ça empire en fait, c'est ce qu'on avait un peu remarqué. C'est-à-dire que quand je commençais à avoir mal aux yeux, bah je les mettais, et au moins ça n'empirait pas. Et en vrai, si, moi, ça me calmait ma douleur. Mon copain, moins, mais il en a vraiment beaucoup plus souvent que moi aussi, les migraines ophtalmiques. Mais bon, je pense qu'après, au niveau des ophtalmos, ils ont des trucs vachement mieux et vachement plus prévus pour ça. Moi, j'en avais pris sur Internet. Donc voilà, quoi. Un truc qui marche bien à base de pierre aussi. Hein, moi ça marche pas. Hein. La migraine n'en est que pire, mais après. Bon, avec la bière, ça va, mais... Non, cet été, j'ai fait ça au rhum. Pas une bonne idée. Mais le rhum était trop bon. Prison! Ok. Pas aller plus loin. Je peux descendre là? Oui, je peux descendre. Ça me sert à quelque chose de faire ça. Ah si! Moi je fais ça et après je peux aller là. Voilà.
voit tout torturé, regardez. C'est horrible. Après, tant que c'est pas mon chat qui est torturé, ça va. Mais bon, ça se fait quand même pas trop. Par où je peux passer par là? Enfin... dans ce coin-là. Est-ce qu'il y a un petit passage, un petit truc? Je coupe le courant, je pense. Ah, voilà. Je suis en train de remonter. Du coup, ils m'ont enlevé mon petit sac à dos, donc j'ai pas le robot. Il pourra faire la traduction et j'ai pas de lampe, j'ai pas d'arme. Mais le chat est trop mignon. Le chat est trop beau. Le voir sans sac à dos, c'est trop mimi. Bouge pas le truc, on dirait. Mais il est où? Il est là-bas. Mais il bouge pas. Banane. Coco, cette fois. Mais elle est toujours là. C'est plus vraiment un problème. C'est plus vraiment le seul problème. J'ai envie de dire. Mets-toi là, je sais, je crois que je suis poursuivi. Non, ça va. Faut que je monte, je pense. Ah oui, du coup, je suis derrière le robot qui faisait chier. D'accord, mais est-ce que ça m'arrange vraiment, en fait? Un peu les prisons. Donc juste ça qui me permet d'aller de l'une à l'autre, quoi. C'est pas non plus un raccourci du siècle, mais c'est plus pratique. Ok. Je peux même pas monter sur la rambarde. C'est-à-dire que là, pour le coup, ça m'aide très très peu. Là, je peux monter dessus, peut-être. Monter là. Ah! C'est qui ça? Ah bah oui, mais je le comprends plus. Ah, une clé. Oh, je pensais que c'était le courant, moi, qui les retenait tous. Pas une vieille clé toute claquos. Je peux passer là? Bien sûr, je suis un chat. Ah non, je croyais que j'étais à l'extérieur, mais pas du tout. Ça, c'est toujours le toit. T'as des joueurs les tickets avec ses clés.
Oui, pas... ils ont même pas trop daigné. Mince, j'ai lâché. Ouais, voilà, ça passe juste à travers sa bouche, c'est dommage. Mais c'est mignon quand même. Fais la fête comme un chat. Où je suis? Du coup, c'est le chat chiant qui suit en miaulant tout le temps. C'est ça. Ils sont bizarres leur télé. Un chouïa encombrante. Oh. Mon sixième sens de chat a repéré des trucs. C'est la télé, ça je l'ai vu ça. Oh, il se soit. Ah mais je suis pile poil dessus mais il s'assit. Et oui, c'est mon pote le robot qui me permet de traduire et tout. Oh, conversation entre un chat et un robot. Et c'est trop mignon. Mieux les marque les murs pour le fun. Si ça, et pour plus de fun, tout à fait, mais c'est gameplay chat. Ah, il va marcher, tu. Bizarre de voir des ruines tout dégueu ultra vétuste et là-dedans t'as des technologies laser, des drones, mais t'as tout qui est rouillé en même temps. Ah, c'était prévu. Ils sont prêts à le défoncer s'il bouge. J'arrive mon copain. Bah sans toi je comprends rien en plus donc c'est chiant. Ça va, petit silence? Faut que je recommence. Bon. Eh ben, on y va.
que les checkpoints soient un petit peu espacés. Super. Ça va. On peut tout, je suis carrément oublié d'appuyer dessus. Enfin, je sais pas, c'était il y a longtemps. Non, pas. Je sauve des vies robots là. Non, non, c'est, je déconne. Je peux passer là, je suis bête. Voilà, là j'ai appuyé. Ça va, ça va, ça va. Y'a des pattes, c'est pas pratique pour tenir la manette. J'ai envie de te voir, toi. T'as vu mes pattes toun? Il est où, mon copain? J'ai trouvé! Ah, il faut qu'il... Voilà. Ah, il se réveille tout seul, ça va, il n'y a pas besoin de la réactiver ou je sais pas quoi. Oh ! Ah oui, d'accord, il se met comme ça le harnais. J'avais l'impression d'être à nouveau enfermé dans le système informatique. Tout mon labo. Tout seul. Et tu es venu pour moi. N'arrive pas à croire. Tu es vraiment un ami. Ah, oui. Mais c'est Clémentine. Oui. Je suis vraiment ravie qu'on se retrouve. Mais on n'est pas encore en sécurité. Il faut qu'on trouve comment sortir d'ici. Tu peux ouvrir cette porte? Sûrement. J'ai mis le métro en marche, mais je peux pas le déclencher. Ah, faut que je trouve la suite moi-même, j'imagine. Il se passe plus rien. Vas-y, pète avec une... Ah oui, c'est pour péter la vitre, ça. C'est vrai, putain. Mais oui, c'est juste... Vas-y, pète tout. Il faut sauver, il faut sauver, il faut sauver. Ah, tu me fasses la courte. Ah, voilà. Oh, trop bien. Les chats, ça collabore super bien avec les robots. On voit ça avec les l'aspi-robot dans les vidéos. Ça se passe super bien. Mais quoi maintenant? Y a pas un levier, un truc? Là. Regarde pas bien. Elles bloquent un nouveau passage. Elles vont repérer immédiatement. Ah, je me trompe de voir. Et si tu essayais de les attirer dans des cellules pour les enfermer? Oui, bah oui, si j'essayais, oui. C'est vrai, si je faisais tout toute seule, hein. Ils en mettent bien.
pas. Il nous fait. Tu vois ce type par terre là-bas. Il a été réinitialisé. Je ne veux pas perdre ma mémoire. J'ai très peur. Ah oui, on le voit par terre. De récupération, on m'a fait plus grand bien. Esprit clair et lucide, je suis un citoyen exemplaire. Je vais une fille. Je sais pas comment ça marche. Ok. Allez, altérisateur. J'ai lu ça vite fait. Donc ça, c'est une grande pièce pour attirer le robot. Ok. Bon bah, let's go, hein. Ah, j'ai attendu, j'avoue, j'ai attendu. Je sais pas pourquoi j'ai attendu. Je suis un peu ouf. Les chats ont inventé l'électronique pendant l'Égypte antique. Oui, j'ai vu ce reportage. Avec l'aide de Kanye West, il était déjà en vie. Je vous reparle juste au cas où ça déclenche des scripts, je sais pas. Tiens, t'es trop nul, espèce de looter. Voilà. Tout fait solo, quoi. Souvenir ça, non? Ouais. Le pauvre type. Je dirais que les sentinelles sont sans pitié pour ceux qui les défient. C'est bien ce que je craignais. Elles l'ont complètement annihilé. Pour aucune émotion. Plus aucune émotion, plus de conscience de soi, plus de souvenirs. Je t'en supplie, on ne doit pas se faire prendre. J'ai déjà fait prendre, ils t'ont pas fait ça, hein. Ça va, fais pas ta flippette non plus. Ok, allez, let's go. Du coup, faut que je les emmène où? Je les emmène là-bas. Zut, j'ai raté. Du coup, j'ai fermé la porte. Du coup, ça m'arrange pas. J'en ai qu'une. Merde. J'ai réussi. Beaucoup trop strong, la meuf. Je parlais aux autres quand même. Libère-les aussi. Oui, ça. J'ai bien fermé cette sentinelle. On va reprendre le pouvoir. Voilà, je préfère ça. Oh, c'est Capone. C'est Capone, défonce-les. Il me dit quoi? Je veux pas que tu parles. Ah, je suis. Allez, d'accord. C'est marrant. Et après, l'altérisseur, j'ai altéré comme j'ai pu. Hein. Ah,
pratique la cellule qui se ferme de l'intérieur. Oui, si, si. Je trouve ça très pratique aussi. Surtout que bon, les drones, c'est des robots un peu comme celui-ci, je crois, donc je sais pas. Je suis à mort aux aguets, là. Ah oui, d'accord. On va ouvrir la porte pour Clémentine. Ah ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Comment? Ah oui, mais voilà, tout simplement. Je partais, moi. Dreaming Blue. C'est quoi Dreaming Blue? Je crois qu'on peut le voir à partir de cette salle de contrôle là-bas. J'y vais, j'y vais. On trouve comment accéder à ces salles. Fouillons les lieux. Ça fait combien de temps? Ah, ça fait une VOD d'une heure et demie quand même. Bon. Après ça, il va falloir que je coupe quand même. La VOD. Mon fin. J'ai fermé. Voilà. Petite patoune sur un arbre. Ça, c'est bien ça. Ah oui, la grande porte. Fouillons. Bah oui, fouille donc, hein. Moi, je... Hein. Ça marre, hein. Tu peux me faire la courte échelle, ça m'arrangerait. Oh. Je peux pas lui faire comprendre, là. Une clé là. Ah voilà, j'ai fait la clé, du coup c'est bon. C'est une clé sur la porte. Oui, bah oui. Et ils mettent des interrupteurs pour les cellules à l'intérieur des cellules. T'avais montré le clip, mais je me rappelle pas. C'était quoi? Tu sais, je fais tant de choses quand je suis en live avec vous. Il m'a sûrement dit un truc. Faut que je monte, évidemment. Non, mais c'est ça, ouais. Dis donc. Ça m'a fait peur. Ah, c'était juste pour faire ça? Donc, le moteur, là, c'est bon. En vrai, la force du robot, de toute façon, il aurait sûrement pu pousser le truc, hein. Vous, non? Allez. Les bruitages, ils sont un peu atténués. Et... Je trouve. Ah! Allez. Wouhou! Mais attends-moi. Ah! Il m'attend pas. Non mais je suis complètement à la vue de tout le monde là. Merde. Ah, c'est
n'arrivera pas à arrêter son signature de dos. Je te détourner leur attention un instant, mais tu dois partir. Le manipulateur des extérieurs est resté. Nous devons atteindre l'extérieur à tout prix. Je l'ai écrit. J'ai mis un geste. Mais c'est trop mignon. Tu es l'un des nôtres maintenant. Nous ne serons pas tous obligés d'attendre l'extérieur, mais l'un de nous doit y aller. Mais j'en viens, moi. De toute façon, je connais l'extérieur. Clé du métro, d'accord. Vas-y maintenant. Tu resteras gravé dans ma rame petite extérieure. Oh, Clémentine. Clémentine se sacrifie pour nous, Clémentine. Non. Sûr qu'un tuk-tuk soit aussi rapide, bah c'est des tuk-tuk de robots. Tu connais pas le turf. De côté. Allez. On propose plus rien. Ah, peut-être que... Ah oui, mais c'est éteint là. Peut-être que j'allume. Eh oui, il faut que j'allume. Qui s'est passé? Comment ça? Oh, c'est... J'ai récupéré la pile, je crois, en plus. Trop bien. On va se faire éplucher la clé. Et une blague sucrée. Eh, faut que je remette la pile. Ah, mais parce que je suis décédée entre temps. Je sais pas. Oui, bah ça, j'ai déjà vu. Je vois mal le chat, ça m'énerve. Voilà. Oui, on va prendre le tromé. Les bruitages, je les entends bas. Bon, un chat, pas beaucoup de bruitage aussi. Je crois qu'il est mieux. Let's go le métro. Elle va avoir des pépins. Elle est petite quand même. Bon, pour un chat, tu me diras, ça suffit. Je sais pas s'il transportait pas un peu d'autres trucs normalement. Un petit chargement, viens. Salle de contrôle. On va la mettre au cul. Vous arrivez toujours à me surprendre. Mago, il sert vraiment pour que dalle. C'est tout propre et tout. Enfin, quasi. C'est fou ça. Je vais monter. On va voir. Wow. On doit être au Japon. Salutations, habitants de cité Murée 99. C'est que tes assistants. Je suis en train de peindre ce secteur. Attention à la peinture fraîche. Bonne journée à vous. Oh. On voit le toit. Waouh. C'est marrant, à chaque fois on monte et la ville est de plus en plus développée. Là on est dans l'élite là. Bonjour, la cité a été fermée pour raison de sécurité. Veuillez consulter tout ingénieur certifié à l'intérieur de la salle de contrôle en cas de réclamation. Bonne journée. Ok. Bon, je vais pas le faire à chaque fois, mais je vais quand même tous leur parler.
Nettoie les fenêtres. Salle de contrôle. Ah oui, control room. Un professeur des trucs a été empêché d'ouvrir la salle de contrôle. Il est écrit que seuls les humains sont autorisés à entrer. C'est juste qu'il se rapproche plus de l'humain, hein. Il est aussi écrit que je ne suis pas considéré comme étant humain. Mais c'est pas gentil, ça. Peut-être qu'en collaborant, on pourrait avoir cette porte. Je suis trop petite. Ah bah tiens. Ah, il se range. Ok, cool. Ouais, trop bien. Oh, c'est celui des patounes. Voilà, là on est bien un humain là. Quoi, c'est censé marcher ça? Oh, la salle de contrôle pour la ville toute entière. On dirait tout ici. Et c'est vide. Il savait tout, l'hygiène, un pouvoir illimité, la liberté de mouvement. Ça n'aura pas porté chance. L'épidémie, je me souviens maintenant. Tout le monde mourait et ils se croyaient à l'abri. Ils n'ont rien fait pour nous aider. J'ai vu mourir ma famille, je me sentais impuissant. Je ne pouvais rien faire pour les aider. Mais je peux encore t'aider, toi. On peut encore sortir d'ici, ensemble. Et transmettre mes souvenirs de l'humanité et les gens que j'aimais. Transmettre où? Moi, je vais aller là-bas direct. Ta clignote, c'est pour WAM. On y est, c'est l'ventilateur central. C'est l'ventilateur central, personne n'est venu ici depuis des années. La ville tout entière est bloquée dans un cycle de confinement depuis longtemps. Si on veut désactiver, on devrait pouvoir partir. Il va falloir remettre en ligne le reste des systèmes. Les ordinateurs contiennent des données dont on a besoin. Il faut les allumer. Quand tu fais ça, je vais chercher les mots de passe et les clés encodées pour entrer dans le système. Ok. Mais comment je... comment? C'est officiel. C'est Lox la meilleure. Mais merci. Oh, ça on le savait. Merci petit Bloody, comment qu'il va? Faut que je mette en route des systèmes. Hein? J'ai aucune idée de comment faire ça, hein? Tu m'as pas expliqué? Explique? Moi? Il a juste regardé ça et il m'a dit mets en route les systèmes. C'est ça, hein? C'est qu'elle va, et bah ça va bien, ça va bien. On est retourné sur Stray, ça fait longtemps. Il est trop bien ce jeu, trop mignon. Mais alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Mais encore.
quelque chose. Quand je me tue, ça fait quelque chose. Non. Ah, quand ça s'allume, je peux faire un truc, on dirait. Hein? Ah. Ah, c'est les claviers. Mais oui, c'est lui. Je vais tout éteindre. Attendez, je vais tout éteindre et je vais recommencer. Le chat qui marche sur le clavier, c'est compliqué. Voilà. Normalement, c'était ça l'ordre que j'ai vu. Hein. Station. Toi qui cloche ? Il fallait pas courir sur tous les claviers ? Ça m'étonne ça quand même. C'est la station de travail pour ouvrir la ville. J'ai plusieurs niveaux de sécurité qui nous empêchent de l'utiliser. Maman, il faut qu'on fasse ce qu'on sait faire le mieux. Moi je pirate les machines et toi tu sors les griffes. Ouais ! Pardon, j'ai fait... Voilà, je voulais pas. Et où que faut faire ça? C'est quoi les trois systèmes locades? Ah, c'est ceux-là? Oh bah non, c'est là d'où on vient. Faut que je trouve un truc à ouvrir. C'est ça? Ah, il y en a un là. Ok. D'accord. La description de ce que je dois faire n'est jamais très très claire. Hein. Et ça c'est Dilo. Ah non, on peut pas, c'est Dilo. De quoi tu parles, Infernal Louis, puis moi j'ai pas lu. D'accord. Ah oui, le clavier, oui. D'accord. Je me doutais que c'était ça, mais j'étais pas sûr. Ouais, ouais, je lui demanderais si son chat est un bon pirate informatique. Oh, une décharge, le machin. Quoi ? Ça marche pas de sortir juste les griffes ? On va avoir des sentinelles, hein. On continue. Ben, on continue où? Il y a ça, ok. C'est où la suite, en fait? J'en ai vu qu'un truc comme ça. Ah, il y en a un là. Non, d'accord. Bon, peut-être un autre, alors. Je pourrais me rechercher quand on aura activé cette station de travail. Oui,
Tu vas te sacrifier pour Wham, je sens bien ça. Ça me rend triste. Mais je préfère ça que dans l'autre sens. On va pas sacrifier un chat. Bande de fous. Il y a des panneaux à ouvrir ici? Non, je ne sais pas. Bah si, ici en fait. Mais je peux pas ouvrir ça. Donc... Comment ça va aller? Amène-moi simplement à la station de travail, on peut désactiver cette arme. Nitro Day. La station de travail, c'est ça? Non, c'est ça là-bas. Bien plus énorme que tout ce que ce drone pourra fournir. Maintenant que la sécurité est désactivée, je peux prendre le contrôle du système et ouvrir la ville. En prendre le contrôle pour endommager mon logiciel. J'ai déjà fait ce choix quand je me suis connecté à cet ordinateur, avec toutes les conséquences qui peuvent s'ensuivre. Mais oui, mais ça, on savait. Je suis désolée qu'on puisse pas voir l'extérieur ensemble. Je pensais pouvoir transmettre les souvenirs à l'humanité, de l'humanité, pour conserver le passé. Mais je vois un avenir dans les compagnons, et dans toi. Laisse-moi t'enlever ça. Aïe, le sacrifice! Tu étais mon ami, mon meilleur ami. J'aurais pu rêver. La manette, elle, elle vibre de fou. Et voilà, elle vibre. Parce qu'il est dead. Oh. Pourquoi faire ça? Bonsoir Loïs. Je veux pas alors que ce soit fort. Ça serait fort pour vous. Tant que le chat reste en vie, hein. Moi ça me va. Hein. Non, parce que le Navi, là, il était sympa, mais... C'est surtout un Google Cloud, quoi. Ah oui, d'accord, ouais, vraiment la lumière, c'est... Mais oui, c'est vrai que j'ai tué une sorte de lumière, ouais. Oh. Ils ont tout peur. C'est trop mignon. Hello, Vernalou. Ah, les drones aussi, ils aiment pas la lumière. Mais oui. Ils étaient enfermés tout ce temps. Il est chelou là le ciel. Ah non, mais non. C'est que c'est, ça a été ouvert au centre. Mais voilà, j'ai eu peur. J'essaie de bouger mais il veut pas. Relève-toi petit jaton. Non, non, mais on va arrêter. Je pensais pouvoir l'embarquer. Oh, c'est beaucoup trop pipou.
Tu vois des Lax TV partout? Ouais. Avec plaisir, hein, tu sais. Ça fait que vibrer tout le temps, là. Je sais pas si vous pouvez le voir. On voit pas vraiment, vous pouvez pas vraiment le voir. Parce que la vibration est super légère. Je peux faire quoi du coup maintenant? Je veux partir dehors moi. Au revoir petit robot. Comment je sors moi du coup? Comme ça. Ouais, mais eux ils sont programmés, du coup ils se rendent même pas compte. Je suis sûre qu'ils se rendent pas compte. Il est chelou ce distributeur là. Bah oui, je peux pas leur parler, je suis bête. J'ai plus mon robot. J'ai plus mon Google Trad. Nos copains robots, pas robots du coup, chat. Oui, voilà, on avait d'autres chats. J'ai eu une manette deluxe. Oh, c'est ça. Elle est très très basique. Oh, ça y est. Je pensais pas finir le jeu ce soir. Je peux pas prendre le robot? Non, il voulait que je me couche à côté. C'est pour ça que je me suis recouchée après. C'est la seule touche que je pouvais faire, c'était m'allonger à côté. Je peux pas le faire miauler. J'espère qu'il va trouver les autres chats. Mon papillon est pas très bien fait. Je suis en mode. Salut, bande de nuls! Bon! Ah bah, faut que j'arrête la VOD. Au revoir, VOD, c'était la fin de Stray. Bisous, bye bye! C'était très sympa!